Donc on va voir un peu ce qui se passe avec les Purple Haze. On retourne devant la base. Ça n'a pas l'air d'être un Wanzer si terrifiant que ça, hein. Je sais. Abandonné. Joe lui est en train de dire à Cindy de partir et de rejoindre, de nous rejoindre. Oh oh. Mais il a un Wander de merde, comment vous avez du mal? c'est marrant. Purple Haze a été battu? Non. Bah ouais, apparemment. Ouais. Ah, il y a encore Cindy. Oh, Ryogo et Cindy. Oh non! En plus, Cindy, elle est partie sans armes. La peu bête. Ils ont tous été tués. Enfin non, Lucas avait, est sauvé. Ah oui, ah oui. Allez, allez, nez à nez avec, avec ça, quoi. L'image ressemble à l'acteur. Ah, comment il s'appelle? Celui-là dans Death Stranding. Ah, j'ai oublié le nom. Eh ben. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va prendre Ryogo parce que il veut. On va faire genre il venge Cindy, voilà. On fait voir un peu. Je crois qu'on va mettre contre les. Ouais, on va mettre ça. Ouais, je pense que tout le monde comme ça. Il y a le canon juste en haut. Ah, là, il y a sûrement Midas à l'intérieur. It's not over yet, Snake. Mon dieu, mon dieu. Tout qui part de travers. Alors, on fait voir ce qu'on a. Donc, on a Monsieur Canon Monstre. Mitraillette, canon monstre. Mitraillette. Mitraillette. Ah, on a directement lui. José Astrada. Il a un refup 2, refup 2. Donc il peut enchaîner deux fois ça. Donc ça, c'est dangereux. C'est surtout ça qui est dangereux. Sinon, après, c'est un Genio. Niveau 1, quoi. Ouais, on a bien fait de mettre mitraillette partout. Et après, ah oui, après on a ça. Ça, il faut qu'Emma s'en occupe, ça sera beaucoup plus simple. Je pourrais faire ça direct. Est-ce qu'on a besoin de savon? Quoique, on pourrait l'avancer, comme ça elle sera. Elle est pas à portée du canon.
Parce que sinon ce con va nous faire très mal en fait. Bon, il faut s'occuper de lui. On pourrait se mettre là comme ça, faire ça. Ah, tu vas me dire qu'il peut mettre bouclier? Non. On pourrait tirer sur lui, comme ça ça touche tout le monde. Oh là, ça toucherait tout le monde, ça toucherait les trois, je crois. Après, je sais pas s'il y a une différence de dégâts par rapport au centre et à l'extérieur, en fait, de la zone. Bah, on peut regarder un peu, quoique ils étaient côte à côte. Voilà. Du coup... les deux à 56%. Si l'autre il nous fait Rate of Fire 2, il aura 56% toujours, donc il n'y a pas de zoom. Ryogo aurait... peut faire des zooms. Non, oui, il a zoom 2. Mais il a rien fait. On va prendre cher. Ça va. Ça va, ça va. On va se mettre sur le côté pour être protégé par la caisse. T'as un anti-impact. On va faire ça. Oh mon dieu, t'es sérieux? Oh mon dieu. Oh Ryogo, si tu fais pas un truc de fou là. Revenge 1. Oh, ça va faire mal. Ça risque de faire très mal. 775. C'est énorme. Il a tiré deux fois sur nous. Parce que c'est les dégâts fois 1, 2, 1.2. 775 de dégâts. On one-shot tout. 775, je crois que ça one-shot les gros robots, là, les behemoths. On va faire ça. Non! Quelle arnaque. Embêtant. Comme ça, ça on n'en parle plus. Faudrait bouger Ryogo si on veut toucher les trois, mais est-ce qu'on va déjà toucher les trois de toute façon? C'est vraiment un peu la question, quoi. Donc je sais pas, on devrait juste tirer comme... Non, non, mais là on va toucher Ryogo. Donc, comme ça. Il a 14, t'es sérieux? Il a 14 de vie, mais par contre il a les bras et tout. Oh la vache. J'ai envie de... Est-ce qu'ils peuvent riposter avec la mitraillette, c'est ça? Ouais, avec la mitraillette. Et c'est le chef qui a ça. Je dirais, j'ai bien envie de taper avec... Mais est-ce qu'on va pas se prendre... On va pas prendre trop cher, en fait. On va devoir se soigner.
il fallait que tu touches les jambes. Oh mon dieu. Ouais, il va falloir se soigner. Oh mon dieu. S'il nous tire dessus, l'autre, on est mort. On est mort. Toujours pas. Yeah, super. Le combat va mal se passer. On va peut-être devoir le recommencer. Tout ça à cause de l'autre qui osait là. Ah, quand ça commence à faire mal, ça commence à faire mal hein, les choses. Ah, lui, il va nous défoncer. Waouh, c'est maintenant que tu fais un double shot, toi? Tu te fous de ma gueule? Papel. Adresse. On devrait prendre à la place de Dennis. On devrait prendre Yoon. Jun. Et ils ont tous des boucliers aussi, j'avais pas remarqué. À la place de Dennis. Dennis est pas vraiment utile dans ce cas-là. Ah! Et ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait prendre le contrôle de ce robot-là. Soigner. Ouais, Dennis c'est pas utile là en fait. C'est trop serré en fait. L'endroit. On va continuer le combat jusqu'à ce qu'on perd. Bon, on pourrait directement le recommencer. On va faire ça. Ouais, j'ai envie de le recommencer honnêtement. Combien retour? 67. Ah, très bien. Ok. Alors, on va peut-être y arriver. Ah, on va avoir une médaille de merde, attention, ça c'est sûr, mais... Non, on va pas y arriver. Il y a trop de monde encore, il y a quoi? Il y a encore 3... Il y a encore 3 Wanzer et le gros. Non, ça va pas le faire. Non, le fait qu'ils aient tous des mitraillettes comme ça et qu'ils soient tous proches l'un de l'autre, c'est mort. Ça sert à rien en fait le sniper. Ah là, c'est mort.
Bon, on va recommencer le combat et on va prendre Jun à la place. Enfin, Yun à la place. Ok, on est de retour. Ouais, ça devrait un peu mieux marcher. Hop. Voilà. Donc là, on a un peu l'exemple quand même, comme j'ai dit, le jeu est pas facile, hein, parce que vous pouvez pas en fait être overpower. Alors c'est vrai que les battle skills, si vous en avez un peu des recherchés et tout ça, et c'est bien, mais c'est vraiment assez aléatoire pour les battle skills pour vraiment être super OP, parce qu'il faut qu'ils s'enchaînent, il faut qu'ils s'activent et tout ça. Donc au final, vous pouvez pas vraiment être très très OP dans le jeu, honnêtement. En tout cas, on va voir un peu. Du coup, on devrait peut-être utiliser Emma pour le mec aux mitraillettes, là, José. On zappe ça. Mais on devrait peut-être concentrer tous nos... Ouais... Il a le... Il a ça. C'est embêtant. Allez, go. Elle aurait pas pu faire... dégâts pilote, genre x3. Ou il serait mort. Du coup, il serait mort, en fait. Il serait directement mort. Ah, là, il a 0%. Si Ryogo, il fait pas de la merde, genre il tire deux fois, par exemple, on pourrait lui détruire le bras et lui faire pas mal de dégâts. Ça pourrait être bien. Ouh. Ok. Faudrait après le double shot. Ok. Ou pas. Il a vraiment une très très grosse précision quand même. Je veux pas dire, mais... Elle est trop loin, là. Si on se met... Faut qu'on détruise lui... 80... Oh la vache. Je sais pas où la mettre, elle, par contre. C'est Kazuki, on peut le mettre là, à la limite. Et là, il faudrait quoi? Prier pour pas qu'il nous défonce la gueule? Ok. Évidemment, ça tombe sur les jambes. Bon, parfait. Allez. Tu peux sauver la mise de tout le monde. Pas mal. C'est pas assez, mais c'est pas mal. Il va falloir faire le ménage. Oh yes, je t'aime. Ouh, il te remis. Oh. Ça va plus être cool. Oh mon dieu. Non, ça va. Oh, vous avez vu? C'est magique. Ryogo, il a vengé Cindy. Il a vengé Cindy, c'est beau. C'est beau. Bon, c'est mieux passé. Ouais, avec l'autre, ça s'est quand même beaucoup mieux passé. Du coup, on va s'occuper un peu du... Ils font chier avec leur bouclier, là. On fait l'hélicoptère. J'ai envie de dire.
Emma, c'est un peu celle qui va rester en retrait et qui va... Ouais, qui... Il va tirer sur les trucs de loin. Il y a lui à détruire. Ouh, on peut lui défoncer le bras. Elle devrait pouvoir lui défoncer le bras. Ou pas. Oh oui, on a de la chance, ça va. Ça va, elle va même le défoncer tout court, ouais. Oh la vache. Yeah. Oui. J'ai hésité à lui mettre ce Wormser là, le... Comment il s'appelle? Le... Kyokai. À cause de ça en fait, à cause de, des parties des bras qui donnent hit or miss. Parce que c'est quand même embêtant, c'est quand même vachement embêtant ces hit or miss. Alors, là on est mal positionné parce que les gros canons vont pouvoir nous, tous les deux nous tirer dessus. Nous tirer sur les trois là. Mais après, ce qui est intéressant dans la première partie... Ouh, la vache. La première partie, c'est qu'on a vu le Revenge, là, qui est sorti. Et on a fait 700 et quelques de dégâts. Donc, c'est... Il y a une utilité, quand même. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, on va soigner Kazuki. Ça, si on y arrive... Revenge. Ok. 296. Ça va, on risque pas grand chose avec lui. Mais ouais, Kazuki va devoir se soigner. Elle peut toucher la bestiole. Oui, elle peut toucher. Yeah, très bien, elle est bien placée. Je crois que le double fusil à pompe, ça peut être un des plus puissants. Si vous faites double shot tout le temps, ou alors... Ouais, non, ça peut être vraiment un des plus puissants. J'ai envie de taper, mais ça va riposter, ouais. Donc on va faire ça. Repair max. On peut même soigner les ennemis, hein, si on veut. On va prendre la vie. Ouais. On va finir ça. Pour aller aider Emma. Oh, pas mal. Il y a un battle skill que j'ai débloqué, ça a l'air pas mal. C'est en fait le Wander va se protéger avec les bras pour éviter de prendre des dégâts sur le corps. Je sais pas si c'est extrêmement efficace, que du coup en fait c'est tous les bras qui prennent. Putain. Il y a tout le monde qui prend très cher sur le body, hein, c'est affreux. Hein. Il y a elle, il faudrait la bouger. Celle-là, elle va se faire déchirer. Et le seul qui peut soigner, c'est lui. Parce que là, en un tir, elle est morte. On va faire ça. On pourrait faire ça. Ça devrait faire mal.
Enfin, si ça se déclenche bien, hein. Allez, go. Ah, non. Au moins, elle crèvera pas. C'est déjà ça. Ryugo devrait pouvoir le tuer. T'es sérieux? Tu as tout le temps de protéger, salaud? Il doit pas avoir assez pour contre-attaquer. J'aurais voulu qu'il contre-attaque, moi. Là, on peut lui tirer dessus. Allez, go. Yes! Ok, on est bon. Lui, il est en train de nous pilonner. Ça va. Oh putain! Aïe. Là, si elle active un de ces trucs, bah, ça sera double shot de toute façon, parce que Zoom, ça va pas sortir. Si double shot sort, elle gagne. Yes! Ouh. Très bien. Là. Alors, si on se met... Non, là... Ah, quoique, peut-être que vu que c'est gros... Non. Je me retourne aussi. Ouais, mais du coup... Ouais, il faut y aller avec Ryugo, en fait. Ryugo, il va te prendre tellement cher. Il va se faire détruire tous les bras et la jambe. Par contre, si jamais il y a le stun punch qui sort, ça peut sauver l'histoire. Ah merde, c'est vrai qu'il tire en premier. Oh bon, ça va, on a de la chance. Oh, ça... J'ai oublié le petit détail du fait que il tire en premier, du coup, parce que c'est une arme. Oui, j'avais complètement oublié ça. Par contre, là, peut-être que Ryugo peut le finir. Non. Oh mon dieu! Ah, vous voyez, ça c'est chiant. Excuse-moi. Surrender, alors que c'est le chef. C'est marrant. Ah, ça, c'est cool. C'est le chef et il se rend. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Genre, le mec, il veut pas mourir, quoi. Ah, c'est pas mal, ça. Là, on est sûr de le tuer parce que ça va taper partout. Si on fait avec Kazuki, on n'est pas sûr. Emma, on n'est pas sûr. Avec elle, elle sera pas à portée. June... Ouais, on va faire avec Ryugo. De toute façon, on peut pas les prendre, hein, ces trucs-là. On peut pas les emmener avec nous et on peut pas les vendre ou quoi que ce soit, donc ça sert à rien de les laisser en vie. Ouais, moins 12. Ouais, ça c'est parce qu'on a pris l'autre aussi en même temps. Enfin bref. C'est pas mal. Là, ça s'est mieux passé quand même, beaucoup mieux passé. Si on n'avait pas les armes en fait trop augmentées, on aurait eu la platine. Mais là, c'est un exemple quand même. Comme j'ai dit, le jeu, je crois que c'était la toute première vidéo, j'ai dit que le jeu était quand même assez difficile. À un certain moment, le jeu devient quand même assez compliqué, assez difficile parce que les ennemis sont puissants. Et on peut pas vraiment être overpower en fait par rapport aux ennemis. Après oui, on peut augmenter les armes, on fera un peu plus de dégâts, mais ça veut pas dire grand chose. Là c'était vraiment la stratégie, là vu qu'on était en plein
corps à corps tout le temps, il fait, genre Denis servait strictement à rien là par contre. Enfin voilà. Alors... Donc on va utiliser ça... pour partir. Je sais pas trop ce qui se passe en fait. Il y en a un qui est en train de partir, et l'autre on s'en sert pour quoi ? Initialise l'attaque. Oh, il va attaquer la flotte, d'accord. Et nous, on prend l'autre pour l'arrêter. Voilà, c'est ça. Oh, le bruit. Vous imaginez si on pouvait... si on pouvait, genre, contrôler ça. Genre, il y aurait gameplay, Wanzer et tout ça, et puis en plus, il y a ça. Donc ce qui vient de se passer, c'était donc une bombe Midas. Nous, on est arrivé un peu trop tard en fait. On était trop en retard par rapport au premier avion. Donc il a commencé son bombardement. Et là, on a pu voir Midas en action. C'est juste destructeur à souhait, quoi, le truc. C'est énormissime. Il n'y a rien qui survit. C'est limite une sorte de trou noir, quoi. Sauf que c'est pas un trou noir. C'est juste de l'énergie pure qui détruit tout. C'est... waouh. Et nous sommes repartis. Nous avons fui la base. Donc on retourne à la flotte. Alors ce qui se passe par rapport à le côté politique en fait, on va dire, du jeu. Donc en gros, la mission est un succès. Le capitaine nous explique que la mission est plus ou moins un succès. Alors que bon, on a perdu Midas, ils ont utilisé Midas. Mais... le truc, c'est que Midas a été utilisé, donc la bombe a été utilisée, et ils en ont pas d'autres, a priori, et nous, on a récupéré les scientifiques qui peuvent construire et travailler dessus. Donc, du coup, l'OCU n'a plus Midas, en termes de principe et de... voilà, en termes de principe, ils ont plus Midas, du coup. Et vu que c'est l'OCU qui a utilisé la bombe, bah c'est leur faute d'avoir utilisé la bombe. Mais voilà, bon, on n'a pas récupéré Midas, mais dans un sens, si, on a les scientifiques, donc c'est plus ou moins une réussite. Donc maintenant, Denis vient de nous appeler, et apparemment, Lucav et les scientifiques, vu qu'on en parlait, évidemment, hein, Lucav et les scientifiques ont disparu. Donc apparemment, ils ont pas été... ils ont pris une sorte de bateau, là. On les a vus, et après nous on est allé aider Purple Haze, enfin ça servait strictement à rien vu qu'ils sont tous morts. Mais sinon ils sont partis dans la sorte de bateau, mais ils sont jamais arrivés au sous-marin en fait, du coup. Donc ils sont complètement disparus, on sait pas où ils sont. Alors aussi, l'opérateur vient de nous dire que maintenant on a récupéré les données de la base de Tal, la Tal Base, ça fait bizarre à chaque fois. Et du coup, on a un autre entraînement en simulation.
Et en parlant de ça, parce que je voulais aussi en parler, alors je suis allé un peu checker les nouveaux forums et tout qu'on a débloqué. On a débloqué des forums en fait sur le FAI, donc Purple Haze, Dennis et tout ça, et il y a aussi Emma. Et j'ai trouvé donc les codes secrets, tout ça à mettre sur internet. Et après ça parle énormément des scientifiques aussi, donc il y a Emma dedans. Donc Emma a vraiment travaillé sur Midas et tout, c'était le chef de projet et tout. Il y a énormément de connaissances dans le network qui est intéressant à lire, mais c'est quand même beaucoup beaucoup de lecture. On a l'impression d'être dans un Wikipédia, donc c'est un peu embêtant. Donc maintenant on a le JDF ou la Tal Base, donc on peut... je vais juste montrer peut-être un peu le niveau vite fait. Je vais pas le finir, je vais juste le montrer. Et après je couperai. Comme ça vous voyez un peu la carte. Mais voilà, maintenant on a ça. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va faire comme ça. Voilà. Au fur et à mesure qu'on avance, on va récupérer différentes missions. Différentes maps. Voilà. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que les ennemis aussi, du coup, changent. Donc là, par exemple, on a des hélicoptères, on a les castles, et on a ça aussi. On a les gros canons, les monsters. Donc la difficulté aussi augmente. Donc c'est plutôt bien. C'est vraiment bien, ce système de simulation. Ah bah tiens, il y en a même là. On a un lance-missile et on a un hélicoptère. Donc vraiment, vraiment cool, ce système de simulation et de gagner des cartes au fur et à mesure qu'on progresse comme ça. Vraiment sympa. Donc maintenant on a une révélation sur Emma et Alyssa parce que Kazuki est allé voir dans la chambre, il y avait Emma qui culpabilisait évidemment. Aussi pour information, parce que je parlais du network, j'ai appris que en fait la bombe Midas n'était pas vraiment une bombe à proprement parler à la base. C'était de l'énergie qui était créée, donc c'était presque aussi puissant que de l'énergie nucléaire, mais pas exactement aussi puissant que l'énergie nucléaire, mais il y avait aucun risque en fait, parce que le nucléaire, bon, radioactivité, tout ça, etc. Et du coup, en fait, cette énergie qu'ils utilisaient était, on va dire, propre, entre parenthèses, et du coup, c'était ça à la base. Puis après, Emma a pris la tête du projet, et bon, elle en a fait une bombe, quoi. Après, est-ce que c'est vraiment elle, ou alors elle a reçu les ordres de l'armée et tout ça, ça c'est une autre histoire. Mais au final, voilà, c'était de l'énergie créée pour alimenter des choses, mais après, ça a été transformé en bombe. Et aussi, maintenant, on apprend que Alyssa, c'est la sœur de Emma. Donc son vrai nom, c'est Alyssiana Klamski. Donc elle nous explique aussi que, en gros, elles ont été séparées pendant qu'elles étaient encore jeunes. Et ses parents, donc, ont été tués par une certaine organisation, vu que c'était des scientifiques. Et ils ont essayé de fuir avec Emma, mais ils savaient qu'ils allaient se faire donc tuer pour chasser. S'ils fuyaient avec Emma, ils l'ont fait quand même pour essayer de la sauver. Et donc ils sont morts dans la voiture, comme on a vu dans la cinématique. Et elle a été sauvée par un Wanzer de l'USN, et depuis elle est restée avec l'USN du coup. Et du coup aussi, du côté d'Alyssa, elle a été envoyée en fait au Japon, et ça a été un ami du père de Emma qui a en gros adopté Alyssa, et donc bah, c'est le père de Kazuki. Et là ça devient encore un peu plus tordu, on dirait un plot un peu de Metal Gear Solid, ça devient encore un peu plus tordu, c'est que Emma connaissait en fait l'ami de son père, donc c'était Isao Takemura, pardon, donc le père de Kazuki. Et du coup en fait quand elle l'a accosté au bar, c'est pas par hasard, elle savait très bien qui c'était.
et elle voulait plus ou moins s'en servir pour récupérer des informations sur le JDF en fait, et des informations sur son père. Et elle pensait aussi que c'était plus, ça serait plus simple en fait de récupérer Alyssa si elle utilisait Kazuki. Elle voulait récupérer Alyssa en fait pour la faire rentrer dans l'USN en fait. Vu que c'est sa seule famille, Emma, elle devient un peu, on va dire, possessive. Donc en gros, elle voulait vraiment, à la limite, c'est forcer en fait Alyssa à revenir auprès d'elle et de toutes les deux être sous le toit de l'USN en gros. Alors maintenant, Dennis est rentré pendant qu'on était en train de parler avec Emma. Et on a des informations sur les scientifiques. Donc les scientifiques ont été tués. Donc les deux scientifiques qui étaient avec notre groupe. Mais Lucav et Alyssa sont portés disparus. Donc apparemment, maintenant le capitaine a des informations. Lucav serait un espion du DHZ. Donc Dennis est en train de nous montrer le plan. Donc on va devoir intercepter, enfin essayer d'intercepter Lucav à Taipei. Taipei ? Ouais, Taipei. Donc en premier on va alors lâcher des forces et après on va prendre Shanxi. Voilà, comme ça. Et après d'autres forces vont aller attaquer Tao Yuan. Comme ça. Donc en gros on les encercle, c'est ça? Enfin si j'ai bien compris l'histoire. Voilà, et Emma, on va aller d'ici et on va aller à Taipei directement. Donc comme ça ils peuvent pas s'échapper en fait. Genre parce qu'ils peuvent pas s'échapper, à moins qu'ils s'échappent par la mer évidemment, mais ils peuvent pas s'échapper par la terre. Donc nous allons partir pour Taïwan. Et c'est parti. Normalement, on va être directement, je crois, largué sur place. Et aussi, le capitaine parlait du fait que... Enfin, Dennis disait que si on envoie des transporteurs comme ça, ça pourrait être considéré genre... déclaration de guerre. Mais le capitaine a dit que de toute façon, on peut pas laisser un autre pays récupérer les informations sur Midas. Donc on est un peu, on va dire, obligé. Ah, la mise en scène! Oui! Donc on utilise ces trucs pour voler, en fait. Enfin, pour voler, pour amortir la chute. Il y a des réacteurs et tout ça, c'est stylé.